l'origine de Thermaisy, c'est vous, c'est l'ensemble Musique Fabrique. C'est ma première visite, c'est de vous avoir connu, c'est d'avoir été ici au Forum. Quand on s'est rencontré, que tu es vu au campus la première fois, tu as proposé qu'on fasse des entretiens d'une heure avec chaque musicien, oui, où on a parlé, on n'a pas joué forcément. Voilà. De là, tu en as tiré du coup des textes. Des textes, que t'as des idées, et puis du comportement de chacun aussi. Des éléments de vie, quoi. Voilà, c'est ça. Et ces éléments-là, comment tu travailles avec une fois que tu retournes à Paris, à la table? D'abord, j'essaye de voir comment les développer, chacun, faire des variations de chacun. Et donc, ce qui fait finalement l'unité de la pièce, s'il y a une unité, c'est parce que c'est des infimes variations des matériaux, les mêmes, souvent. Donc là, il n'y a pas beaucoup de matériaux finalement, mais ça peut faire énormément de surprises en faisant des variations à l'infini de ces matériaux-là. Oui. Et donc, par la mise en relation, en fait. Par le montage, comme on dit au cinéma. Quoi. C'est... Sorry. Let's do it again. Because it's not clear to me. Is it zealous on the next zigzag zebra for his zig zebra for next zealous the zag his on? Or is it zealous the zigzag zebra for his zig zebra for next zealous the zag his on? We need a specialist. Should I make a break here? Should I make a break here? Yes, there is a problem. Yes. Zealous on the next zigzag zebra for his zigzag zebra. Comment l'énergie peut circuler à l'intérieur de ça comme si c'était un corps en même temps? Comme si vous 16, vous faisiez un grand corps. Quoi. Ouais. C'est très cinématographique dans la manière dont tu travailles aussi ce processus. Tu parlais de dramaturgie. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment finalement un sens à la pièce ou est-ce que le sens, c'est ce que tu disais un peu hier, est-ce que le sens, c'est finalement la matière elle-même C'est la matière et en même temps, ce que je voulais, ce que j'ai attendu tout à l'heure quand on a joué la pièce d'un bout à l'autre, en fait, c'est que... c'est à la fois un concert, puis tout d'un coup on a l'impression que c'est un opéra, puis tout d'un coup on a l'impression qu'il y a dans les sons, qu'il y a des sons animaux aussi qui arrivent, des choses que j'aime beaucoup en fait. Et tout d'un coup on passe à une extrême délicatesse avec le clavecin, et puis voilà, et puis tout d'un coup il y a des énergies comme toi dans ton solo, ou avec le duo, avec Dixie, ou tout d'un coup avec la percussion. Et tout d'un coup là il y a... Comment dire, c'est des faisceaux d'énergie contradictoire, finalement, et qui font une espèce de montagne russe, quoi, ou des crêtes. Il y a des moments où on suit les matériaux parce qu'il devient plus intéressant que ce qu'on croyait au départ, mais d'une autre façon. Il prend intérêt autrement. Donc si on le suit, c'est toujours risqué parce que la pièce, est-ce qu'elle peut supporter cette nouveauté, cet intrus qui arrive là. Et donc c'est tout le temps de faire des arbitrages, comment suivre l'inconnu et en même temps faire attention à la pièce. Mais ça ne fait pas pièce de concert, en fait. Ça fait pas une pièce de musique. Ouais. Ça fait une drôle de chose. Je ne peux pas dire ce que c'est. C'est quelque chose qui arrive, un événement, quoi, à 16, pendant une demi-heure, mais je ne vois pas... C'est pas du tout comme si c'était une pièce de concert où il faut l'écouter de façon passive, disons. Ouais. Oui, c'est très actif. On était là, je regardais tout le monde. On regardait là un peu comme dans un match. Une des difficultés de la pièce, c'est de... Vu la musique, comme tu as dit, l'activité... presque ininterrompu, quoi. La difficulté d'écrire en sachant qu'il n'y aurait pas de chef d'orchestre. Ça veut dire que
comment obtenir ça, cette exactitude, parce que c'est une musique aussi qui joue, c'est très organique, et oui. il faut que les choses soient en place complètement. Vertical. Ouais. Et donc comment obtenir ça, et bah, ça y est, ça vient. C'est très touchant de voir que vos regards les uns aux autres, qui sont des regards, vous devez vous regarder pour partir ensemble, pour être ensemble, etc. Mais pour nous, de l'autre côté, c'est des regards qu'on n'a pas quand il y a le chef d'orchestre, puisque vous n'êtes pas obligé de vous regarder entre vous. Bien sûr, ouais. Et donc, ces regards jouent quand même. Ça veut dire qu'ils ont, ils ont une fonction presque théâtrale. C'est la pièce en fait, c'est ça la pièce. C'est vous, c'est ensemble. C'est une vision de moi, de vous, donc déformée par moi forcément. Oui. Mais je pense que si je devais écrire maintenant une autre pièce pour vous, ce serait entièrement différent avec les mêmes personnes, je veux dire, mais avec les mêmes données. Donc c'est ça qui est intéressant. Oui. Bravo.